Le début du projet est né à partir de ce constat que la mortalité maternelle est en augmentation ces 10 dernières années au Cameroun. Ça correspond à peu près à une femme sur 39 qui décède en accouchant. C'est vraiment des chiffres alarmants. C'est entre 700 et 800 décès maternels par 100 000 naissances. Alors qu'il y a une dizaine d'années, c'était une fois et demie à deux fois moins. Très souvent, les soignants sont extrêmement isolés dans leur centre, à devoir prendre des décisions tout seuls. Et puis malheureusement, ils n'ont souvent pas les compétences. Ils ne savent pas faire correctement le diagnostic de la situation. Bon, bah, il faut voir un petit peu comment ça évolue, mais je pense qu'il faut doser quelque chose pour la douleur, voir comment ça au niveau, au niveau de son arthrite. Et puis voir si la fièvre diminue. Mais c'est étonnant, tu vois, il a déjà reçu la quinine et puis maintenant l'artémétère. Si ça passe pas après une journée d'artémétère, il faut voir s'il n'y a pas un foyer quelque part d'autre. Quoi. Oui. Le but, c'est vraiment d'essayer que toutes les personnes responsables de la santé materno-infantile dans les centres reçoivent des formations axées sur la santé materno-infantile, spécifiquement sur tout ce qui est essayer de diminuer le taux de mortalité maternelle. C'est vraiment un appui spécifique par rapport à ces questions-là, donc en augmentant les capacités, la formation des responsables de centre ou des responsables, s'il y a par exemple une sage-femme ou un infirmier sage-femme. Donc ce serait un représentant dans chaque centre qui va venir bénéficier de ces formations. Bon, la majorité des gens qu'on voit, les trucs qui sont très fréquents ici, les cas de paludisme simple, paludisme grave, les femmes enceintes pour les CPN, les accouchements, les césariennes de temps en temps, mais plus les maladies liées à la pédiatrie et aussi les maladies qui atteignent les femmes à l'âge de procréer. Au niveau du plateau technique, c'est là où c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas assez de personnes assez qualifiées. Nous n'avons pas assez d'équipement parce qu'on a quand même le minimum, mais on pouvait faire plus, on pouvait faire mieux pour l'arrondissement un peu large. On a une population d'au moins 10 000 personnes, donc si on parle de 10 000 personnes avec un médecin et deux infirmiers, parce que la majorité sont les aides-soignantes, c'est pas suffisant. On a assez de décès infantiles et néonatales. Et c'est un peu gênant de perdre les enfants comme ça. C'est bien vrai que parfois c'est à cause de la négligence, parfois c'est parce qu'ils viennent à l'hôpital très tard, parfois, mais si on pouvait avoir plus pour les encadrer mieux et même peut-être sortir, partir en communauté pour les inviter à venir parce qu'ils n'ont pas encore cette culture de venir à l'hôpital très tôt. Et pas d'abord chez les tradis praticiens et tout. Et c'est quand c'est déjà un peu tard qu'ils viennent à l'hôpital. Et là, on a trop de décès. On a pris le temps d'analyser les besoins, de rencontrer les partenaires, d'identifier quels étaient les meilleurs partenaires et d'identifier aussi les centres de santé qui avaient le plus besoin de soutien. Donc on est parti sur une analyse en amont qui fait que le projet il est bien conçu et il est cohérent dans sa structure. Et puis le fait qu'on touche en fait au continuum des soins de santé materno-infantile qui est vraiment la stratégie programmatique de Médecins du Monde. Et je trouve qu'on couvre particulièrement bien ça en travaillant à la fois sur un volet de santé communautaire, un volet d'appui directement à des centres de santé, un appui plus matériel, équipement médical, et puis au final de toucher un peu à tout le district avec lequel on travaille en apportant des formations, des supervisions. Donc il y a un côté aussi justement conçu sur le long terme pour que les prestataires de soins
ils aient une formation qui puisse durer. Il y a des premiers indices de résultats positifs par rapport à ça, avec des gens qui globalement s'estiment plus confiants, qui connaissent un peu mieux les protocoles, les choses qu'on peut déjà voir dans les formations sanitaires. C'est vraiment les protocoles maintenant sont affichés clairement dans les salles d'accouchement. Et puis que, on voit qu'il y a un professionnalisme qui est en train de se mettre en place avec ces formations.